Je suis Dimo Böhme, diplomate d'échange allemand au Quai d'Orsay. Je travaille au cabinet de Laurence Boone, la secrétaire d'État chargée de l'Europe, qui a une double casquette. Elle est également secrétaire générale pour la coopération franco-allemande. Mes fonctions sont donc à la fois celles d'un conseiller au cabinet. Je donne des conseils, je soutiens la secrétaire d'État en tout ce qui concerne l'Allemagne. Mais j'ai aussi une autre tâche, une deuxième fonction, si vous voulez, celle de secrétaire général adjoint pour la coopération franco-allemande. Et dans cette capacité, je représente la secrétaire d'État. J'anime un réseau quasi institutionnalisé de la coopération bilatérale franco-allemande. C'est vraiment un champ très vaste avec beaucoup d'interlocuteurs. C'est le monde associatif, c'est le monde de l'OFAJ, par exemple de l'Office franco-allemand pour la jeunesse, des échanges de jeunes. C'est aussi l'université franco-allemande. Mon travail consiste essentiellement à faire des analyses des développements politiques en Allemagne. Je prépare les entretiens de la secrétaire d'État, toujours quand ça concerne l'Allemagne. Je prépare ses déplacements en Allemagne, mais aussi en France, quand il y a un lien avec la coopération franco-allemande, notamment sur tout ce qui est transfrontalier, la coopération transfrontalière, non seulement depuis la pandémie, mais plus qu'avant, constitue vraiment un facteur important de mon travail. Le travail en franco-allemand, il se fait constamment, il se fait à tous les niveaux. On se parle entre ministres, on se parle entre secrétaires d'État, on se parle entre administrations, vraiment tous les jours. Je dirais même que les relations entre nos deux pays sont tellement étroites qu'on ne peut pas les comparer avec des relations bilatérales habituelles entre deux autres pays, parce que nous sommes des partenaires, chacun pour l'autre, les plus proches qui existent. Donc mon travail, il n'est pas uniquement bilatéral, mais tous les sujets qui ont un lien, où il y a un aspect qui concerne l'Allemagne. Aujourd'hui, quand on parle beaucoup en Europe de politique économique, politique industrielle, politique énergétique, protection du climat, ce sont tous des sujets qui concernent l'ensemble de l'Europe, mais qui concernent la relation franco-allemande, tout particulièrement. Et donc, c'est aussi sur ces sujets que je travaille, en lien avec mes collègues au cabinet. Et ce travail, on le fait ensemble. On est une équipe ici au cabinet de la secrétaire d'État. Donc, je travaille très étroitement à chaque fois avec les conseillers qui sont compétents sur le fond de ces dossiers. Et quand je dis que Laurence Boone est la secrétaire générale pour la coopération franco-allemande, elle a cette fonction en France, pour le gouvernement français. Côté allemand, il y a donc son homologue qui est aussi chargé de l'Europe. Et dans son cabinet, il y a une fonctionnaire d'échange également, une Française, qui fait la même chose que moi. Et nous, on est en lien constant. On s'appelle jusqu'à 5, 6, 7 fois par jour. Justement parce qu'on a tant de choses à clarifier, à se parler, à planifier. C'est une grosse Ehre für mich, hier im französischen Ministerium und bei der französischen Staatssekretärin arbeiten zu dürfen. Es gefällt mir sehr gut. Ich mache das schon 3,5 Jahre.